Grâce à ce monsieur-là, j'ai retrouvé ma condition, ce monsieur-là. C'est Papito, il est gentil. Vous devez vous prosterner devant sa grandeur. Non, prosternez-vous, mon chat. C'est vrai que vous êtes devant l'élite de l'élite de l'élite, monsieur. L'élite de l'élite de l'élite. Et rigole. Ah, banane. Et quoi, la pistolet fait la loi ici, là. Ça fait du bien hein, de rigoler comme ça, hein, hein. Ça détend, ça débouche la chiotte là. Ah, bah, je vous pisse à la gueule, moi. C'est ça, ça répartit là. On dirait un réparti d'enfants de 5 ans. Je veux le pipi. Je veux le pipi. Regarde, allez, monte ton zizi. Allez. Comme on dit, il faut une petite travailleuse, une grande feignante. C'est lui qui dit qu'il est. Allez, toc. Monsieur, attendez, monsieur là, monsieur Tong, c'est ça? C'est qui veut faire de l'humour, lui. Il est con. Allez, sortez la vôtre pour moi. Sois gentil, va là-bas et va nous chercher ton responsable, s'il te plaît. Hein, on est il a dit l'élite, alors qu'il y a des gens au-dessus de lui, là. L'élite de l'élite, on va voir. Allez. Monsieur, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme ça, vous. Ouais, allez, circulez là, maintenant. Allez, dégage. C'est ça, bon, ouais. C'est terminé, on l'a envoyé dans sa niche. Allez, on se casse. Bravo. Regardez, il y a un gros cochon là-bas. C'est quoi ce gros, là? Il y a un gros cochon, c'est... Salut, gros cochon, là. C'est Régis. Salut. Ça va, Régis? T'as fait quoi aujourd'hui, Régis? Ça fait longtemps. Ah, c'est mon gros blanc de combat, ça. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Oui, rebonjour. Oui. On a déjà dit bonjour. La nuit. Ça, la nuit. Je pense qu'il doit parler de vous. La nuit, c'est sombre. Hein? Oui. Comme vous, vous êtes sombre, Suleiman. La nuit, je suis sombre, là, comme la nuit. Je pense que... C'est emballé, pesé, c'est payé. Non, ça c'était avant ça, quand on nous prenait pour de la marchandise. Ça a changé, monsieur Régis. Tu as un problème contre la race et les autres races? Dis-moi. Si. Dis ça. Quel est le problème? C'est quoi son problème alors? Ils m'ont fait trop mal. Ah bon? Depuis que je suis petit à l'armée, après au travail, après dans la vie active, dans la vie sportive, ils m'ont poignardé dans le dos. C'est des enfoirés de merde. Je leur crache à la gueule à ces robeux. Oui, non, mais il en a gros sur la patate. Hein. À même pas 18 ans, j'étais déjà facteur. Après, j'ai été dans une usine. Après, j'ai été ambulancier. Après, j'ai été SNCF. Et ça, ça m'a tué. C'est quoi ça, être de travail dans une mine? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ah, désolé, c'est bon, j'ai de comprendre. Allez, finis ton histoire. Dis-nous. À mon âge, j'ai beaucoup voyagé. Je suis resté en Indonésie déjà. J'ai baisé deux Indonésiennes et moi. Tous les deux soirs, de nouvelles pendant 6 mois. T'as beaucoup forné, que Régis. Oui. T'as déjà fait la femme avec la femme? Oui. Oui, bah, il y a beaucoup de hommes en Indonésie. Ça se trouve, il a forné qu'avec des hommes. Ce sont deux mythes. Arrêtez, vous avez un prochis dans le crâne ou dans le cerveau, quoi. T'es con comme la lune. Mais arrête de dire des choses pareilles, Régis. On n'a rien fait pour mériter toutes ces insultes. Bon, allez, on y va, là. Il veut pas se livrer peut-être plus tard. Connard de gros, là. Gros peur. Gola. Pas ta pouf, là. Et te manger, toi, un moment. Tu vas voir. Ton ventre rempli de merde. Il est luisant. Putain, ça me donne soif de parler. How are you? Le but, c'est pas de... Qu'est-ce qui lui arrive? Merde, il a foutu le bordel. Eh merde. Il nous tire dessus. Merde, on s'est tiré dessus. Suleiman. Oui, j'ai fait la course là. Oh la merde. J'ai volé un cheval à un shérif. Dépêchez-vous, j'arrive. Un shérif, putain, mais le con quoi. C'est un peu osé là, non? Tendons l'air, regarde mon chien. Oui. Putain de merde. Après la rivière, tourne à droite et à gauche, d'accord? Et moi, je me mets devant, je me rends et vous voulez braquer. Oui, vas-y, on fait ça. Arrêtez-vous, tourne à droite. Désolé, monsieur, désolé, je savais pas que c'était à vous. Désolé, pardonnez-moi. Oh les mains, c'est une embuscade. Oh les mains. Monsieur, oh les mains. Oh les mains. Plus un geste maintenant. Vous avez été pris en piège. Descends maintenant. Tu vas apprendre à nous connaître. Nous sommes les banditos. Ouais, les bandits. Oui, tu vas pas la reconnaître là. Je suis le noir de combat. Okay, descends là. Okay, je descends, mais vous savez. T'es tout seul là. Personne n'est avec toi là. T'es tout seul. Je suis tout seul. Mettez-le sur votre cheval. On se casse de la route là. Mais attachez-le, on y va là. Arrête de caca toi là.
Tu viens ici. Voilà. Bouge pas, on t'a dit, bouge pas. Vous savez à qui vous attaquez là, monsieur? Tiens, j'attaque quelqu'un qui a voulu récupérer un cheval. T'as voulu faire du mal à mon peuple. Nos peuples ont assez souffert de votre ignorance et de votre abrutissement. Récupérez votre chevaline. Oui, j'ai pris le chevaline là, il va arriver. Petit cheval là. Allez, on se casse du chemin. Allez, on se casse, on charge du chemin là. On se casse, on le met en égo, on le travaille, on le cuisine. Vas-y, on fait ça. Il veut jamais lui retrouver sa trace. Il veut jamais, il nous appartient ce monsieur là, il va tout donner. Oui. C'est bon, tout doux. Ferme ton gueule là. On a récupéré le gros lot, je crois, non? J'ai l'impression qu'on a capturé un gros poisson, d'après les dires. On peut faire l'interrogatoire là? J'adore ça là. Oui, nous allons faire ça. Il faut qu'on sorte des chemins. Mamadou, sors ton âme, on sait jamais. Oui, je regarde. Ah, bonjour, comment ça va? Bonjour. Comment va-t-il? Salut. Tu peux vous renseigner, monsieur? Vous cherchez quelque chose en particulier? Oh non, j'avais pas vu, je vais vous laisser tranquille. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Bon, là, on va faire comme ça. Bonne journée. Là, c'est bien ici. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On va le mettre dans un petit coin, là. On va profiter de lui un peu. Vous êtes en train de me demander de vous tuer? Il veut qu'on l'abatte sèchement, on prend son argent. Ne bougez pas. Non, d'abord, on va durer un peu plus. On va le voilà cuisiner un peu, monsieur. Voilà, on va le cuisiner un peu. Y'a pas une chaise là qu'on l'assa là? Régis, crache-le dessus là, crache-le. Humilie-le là, comme il faut. Alors, comme ça, on est d'une personnalité qui est connue et qui a du pouvoir. Oui, il a fait la menace, patron. Il a dit, oui, vous allez regretter. Vous savez pas à qui vous en prenez. Il nous a menacé. Tu crois que tu m'intimides? Non, mais... Mettez vos masques. C'est un peu trop tard pour mettre les masques, hein. J'ai vu tous vos visages. Mais j'ai l'impression que cet individu veut vraiment qu'on le tue, hein. Ça commence un petit peu à me rendre chaque fois. Bon, dis-moi, tu peux faire quelque chose de très important. Tu vas appliquer les principes du SSPP. Oh mon Dieu, le SSPP. Chouchou. Popoche, est-ce que tu as des sous-sous dans tes popoches? Oui, on va récupérer tout ça là. Tu nous as quand même tiré dessus. Laissez-moi ouvrir ma sacoche, oui j'ai de l'argent. Tu l'as pas vu venir là, le petit guet-apens, hein? Un petit guignol, hein? Tu savais rien. Vous voulez combien? Attends, on va d'abord. C'est quoi ça? Un petit peu se connaître avant de prendre tout ton argent. Qui es-tu, jeune vagabond? Dis-nous tout, tu fais quoi? Je m'appelle Franck. Je suis le patron de l'animalerie. Une animalerie? L'animalerie, il est armé en plus. Tu vends des petits chats, monsieur. Tu vends quoi alors? Raconte. Si vous voulez, tenez-moi un jour, je sors de cette cabane et je vous montre dans la forêt, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire. C'est quoi cette chose? C'est quelque chose qui va nous attaquer? Non. Qui veut nous tuer par une bête? Je vous assure qu'elle vous attaquera pas, mais elle est pas... Non, c'est exactement ça. Vous permettez que je sorte? Tenez-le bien un jour, on va regarder. Au moindre sentiment de menace que nous ressentons, abattez-le! Non. Ce que je vous demanderai, messieurs, c'est de pas tirer sur ce que vous allez voir, s'il vous plaît. Je vous assure qu'il vous agressera pas, n'ayez pas peur. Tu prends pour un con. Oui, nous pas pour un con, Aigus. Attendez. Restez sur qui vive. Tirez pas. C'est quoi ça la bête du diable, ça? C'est tout doux. C'est un loup. C'est pour le manger? Non, c'est pour me défendre. Alors pourquoi tu l'as ramené? Tant que vous me brutalisez pas, il vous attaquera pas. Non, le tuez pas. Voilà, c'est réglé, ça. Et voilà, ça c'est fait, on va pouvoir le manger. Il est con, lui. Il l'a ramené pour le défendre. Il nous a pris pour le démêler. Putain, c'est pas possible d'être aussi con. Si, il est agressif. Voilà, dépêche un peu. On va manger la viande, là. Ouais, on va prendre un peu de viande. Voilà, ça c'est bon, ça. Il a cru qu'il allait nous impressionner avec son petit animal de raté, là. C'est bouffon, ça. Si tu veux, je te fais un petit poncho avec la peau de ton animal de compagnie. Ah, ma big burger. Ça, on va manger, ça. Allez, rends le cabanon, là. C'est raté ton effet, là. Le con. Ah oui, il a envoyé des bêtes comme ses pieds, c'est incroyable. Mais allez, raboulez maintenant. Raboule l'argent, chouchou papoche. Très bien, très très bien. Écoute, maintenant tu vas me dire quelque chose. Connais-tu des hommes qui, si jamais on les kidnappait, pourraient nous apporter une certaine somme en rançon? Vois-tu ce que je veux dire? Ah, c'est bien joué ça, patron! Laisse-moi réfléchir une minute. Donne-moi des noms! Il a un associé ou un collègue, lui, c'est sûr. Il travaille pas tout seul à l'animalerie. Ça veut dire qu'il sera recherché, lui. J'ai qu'un employé à l'animalerie, donc. Menteur! C'est bon, menteur! Écoute-moi bien, il a dit, mes amis, on va te faire la gueule, tu sais pas qui je suis. C'est un menteur! Je parle de mon employé. C'est un menteur! C'est pas c'est un menteur, lui. Pourquoi nous as-tu menacé? Parce que j'ai des amis dans ce pays. Vous avez tiré dessus, hein? Va falloir l'assumer. Mon beau petit.
tu vas retirer tous tes vêtements et en échange, je vais te redonner la peau de ton pauvre animal de compagnie. Et tu vas le remettre autour de la taille. Nous n'avons pas peur de tes menaces ou autre chose. Quand on te libérera, tu prendras ta bête dépêchée sur les épaules et t'iras dire dans toutes les villes que nous sommes venus sur ces terres pour accomplir notre vengeance et que rien ni personne ne pourra nous arrêter. La nuit. Les fardés de la nuit, retiens bien notre nom, enculé. Allez, à poil, déshabille-toi là, tout nu. Voilà. La tenue, regarde le fragile. Allez, prends ça. Voilà, il est imbibé de sang de chien, de pourri là. Allez. On dépose tes armes ici. Non, pas, tu les récupéreras plus tard, mais déjà, tu vas courir avec ton loup. Allez, zou. Allez, marche, sois digne. Voilà, c'est bien ça. T'avises même pas d'un jour de nous reprendre, ok? C'est compris? Ok, c'est compris. Tu vas là-bas au bout là, t'en as pas beau longtemps. Allez, cours! Allez, dégage! Voilà, il s'en va. Il cavale là, comme une pute là. En plus de ça, il m'a donné 120 dollars. 120 dollars ça. C'est beau ça. Allez, nous nous arrêtons pas en si bon chemin. Il faut que tout le pays entende parler de nous, que nous soyons les plus grands criminels de ce territoire. Oui. Je suis un être humain, je suis pas un kebab. Ah, monsieur, monsieur, vous êtes les tenanciers, ça, là. Attendez, il y a le propriétaire de la compagnie de train qui est juste en face. On pourrait lui demander de nous donner un train, et ainsi on pourrait braquer les gens en train. Ou alors directement le braquer, non, peut-être. Oui, mais je pense que si nous réussissons à avoir un train, rendez-vous compte de ce que nous pourrions accomplir okay, par alors, courir des kilomètres. Que deux fois qu'une, alors, allons-y. Attendez, monsieur, là, hein, t'es un Africain. Oh, maman, t'es en Afrique, là? Non, seigneur, je suis mexicain. Ah, ça le race, d'accord. Merde, c'est pas ce que je cherche. Par contre, vous êtes dans une propriété privée, seigneur. C'est public, monsieur. La gare, c'est public. Tu sors de mon entreprise ou je te dégomme? Ah ben, nous sortons. Bien, nous sortons. Sortez, petit chinois, sortez d'eau. Attendez, monsieur, il a pas l'air commode, monsieur. Monsieur, nous voulons simplement prendre des tickets. On est des clients, monsieur, on prend des tickets. On voulait prendre le train, mon père. Oh, j'ai pas, juste pas. Bon, ben, code SSPP, je crois, non? Il est où votre amigo, le quatrième, là? Il est parti faire un gros caca. Un gros caca. Il est obligé de jouer le jeu, les gars, si on a 4 sur lui. Lève les mains. Ah bon, tu comptes bloc, toi, comme ça. Lève les mains. Il était derrière toi, monsieur. Voilà. On t'a bien eu, hein, sale chien de la casse. Allez, tu viens ici. Alors comme ça, on veut pas nous donner un ticket pour prendre ton vulgaire train. Enfin, ton train, on va te le prendre sans ticket, mon brave. Et sans conducteur, même. On entend moins ta grande gueule, là. On n'est pas des sauvages. Vous n'êtes pas des sauvages, mais vous croyez que vous allez sortir du Mexique comme ça? Mais bien sûr. Du Mexique, c'est nous. Maintenant, allez, raboulez. Donnez l'argent, maintenant. Quel argent? Tous en l'air. Mens en l'air. Merde. Dépêchez-vous. Mens en l'air, vite. Oui, attendez, là, je suis en train de... Oui, doucement. Oui, c'est bon. Oui, on vous cherchait pour nous aider, on a été raquettés, là. Oui, c'est bon, monsieur, nous n'avons rien fait, nous sommes des clients de la gare, monsieur. Faites attention à votre comportement, parce que si ça part, ça part, il va dans la caméra. Oui, mais nous n'avons rien fait, nous n'avons rien à se reprocher, monsieur. Tout doux, nous n'avons rien, nous sommes vraiment là, l'innocence même. Alors, pourquoi il est attaché là-bas derrière? Parce qu'il nous a tiré dessus parce que nous voulions lui acheter. Il a dit, il va pas nous donner le ticket, désolé monsieur. Alors écoute-moi bien, la prochaine fois que tu cries sur un membre de la guardia, je te découpe la cabeça sur place, tu as compris? Oui. Monsieur, vous n'avez pas honte là, mon peuple a souffert, je suis un ancien esclave là. Libérez-moi monsieur, je n'ai rien à voir là. Mais si je peux vous dire quelque chose, si nous avons fait tout ça, c'était justement, nous vous cherchions désespérément pour vous dire rien. Vous braquez des jeunes pour venir nous voir, c'est un peu bizarre. Oh putain. Restez ici. C'est un chat et skill. C'est passé quoi là, les gars? Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Mais pourquoi? Monsieur, on a rien fait là. On peut y aller maintenant. On coopère, monsieur. On a rien fait. C'était de salles mexicaines, comme quoi maintenant le Mexique c'était. Mais on rigolait, monsieur. On a rien fait. On vous apprécie, monsieur. On vous cherchait. C'est normal, monsieur. Ça me dégue. Mais qu'est-ce que vous faites? On ne comprend rien ce que vous faites. C'est un foutoir, ça, non? C'est un foutoir. C'est le code des mains, lui, là.
Si, c'est bien. Regardez. Il se fait ramener à la frontière. Je peux parler avec vous, s'il vous plaît. Monsieur, mon père a souffert. Monsieur, on regrette vraiment. On voulait pas ça. Monsieur, on n'avait pas les tickets. Ça fait 10 fois que tu nous résumes la même situation. Oui, là, faites avancer les choses un petit peu, c'est galère. Si, tu vas dormir, on met sous l'air. Non, mais moi, je suis encore ici. Je vais finir en deux, j'en sais rien, mais je vais en niquer un ou deux ou trois même. C'est lui qui ça là ? Calmez lui. Qu'est-ce qu'il nique à part sa main lui ? Pardon. Eh, madame là, celle qui avale des paquets de clopes là, tu peux te taire là ? Bordel ! Mais non, ils ont tué le gros ! Ils ont tué le gros ! Ils ont fait mal au gros ! Non, le gros ! Non ! Là-bas ! Non ! Quand ça perd patience, là-bas, vite. Si on se retrouve, toi, je vais te faire bouffer tes paquets de clopes, toi, tu vas voir. Tu vas me faire bouffer quoi, toi? Aïe! Voilà, c'est là que tu l'as bouffé. Aïe, j'ai plus l'équilibre, aïe! Allez, retourne avec les autres. Aidez-moi, j'ai mal à la tête. Mais bonjour, vous n'avez madame, rien compris, on veut travailler avec vous. Eh ben vous êtes des idiots, des sacapuras, des abrutis et d'ignobles. Aïe, bordel de merde. Aïe, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en cracking, lui. Aïe. C'est trop tard. Ah non. J'ai mal, aidez-moi, je me vide de mon sang. Je me vide de mon sang. Aidez-moi, quelqu'un pour m'aider. Je pisse le sang. Je pisse le sang. Ne nous laissez pas comme ça. T'as la moule, est-ce que tu as la moule qui coule, toi? Tu as la moule qui coule ou pas? On me demande si j'ai la moule qui coule, je peux m'en occuper là parce que. Vas-y. Non, non. Gentil, non. Oh là, la moule qui coule. Ego. Si tu veux la même chose, toi. Mais qu'est-ce que vous avez fait, sombre sorcière? Pourquoi vous avez fait tout ça? Je peux même pas fermer ma bouche. Pisse le sang, sa chienne. Oh putain, tu es là. Allez, c'est bon, cool. Voilà. Vous allez bien Et quelle meilleure chute. Quelle est un peu fantastique, encore une fois. Madame, vous avez vraiment des cuisses vraiment costauds, hein. Je sais pas si je dois prendre cela comme un compliment. Oui, je vous observe et vous avez beaucoup de force en vous. Vous pourrez peut-être nous aider. Madame, vous travaillez dans quoi là? Vous faites quoi ici? Pour l'instant, je ne travaille pas encore. Je cherche un travail. Mais vous allez travailler pour nous. On a beaucoup de travail pour vous, si vous le souhaitez. Tout type de travail. Disons que nous avons une spécialité. Mais qu'est-ce qui lui prend si tant de m'aider? Oui, on peut faire des travaux manuels. Vous allez apprécier, madame, vraiment. On a beaucoup de choses à faire. Embaucher dans un saloon ou dans un Far West. Donc vous allez en faire plusieurs les saloons si vous nous suivez. Monsieur, c'est trop belle. Je sais pas. Mais non, nous n'avons pas dit que c'était une gangandine, mon brave. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai envie de le mettre en égo, les gars. Lui, on y va, on roule libre. Monsieur, ça fait deux fois que vous nous reprenez avec la demoiselle. Vous n'êtes pas sa femme, vous n'êtes qu'une personne lambda. Laissez-la parler, c'est une femme libre. Idiot. Vous avez un orifice dans le visage, là. Vous avez de la chance que je ne suis pas vraiment bandé. Sinon, je vous l'aurais mis dans l'œil. Commence pas trop à me chercher, mon ami. Tu me cherches, tu me trouves. Ah non, non. Bien, le bougnoul. Comment ça? J'ai le droit de le parler, non? Pourriture de merde de bougnoul. Non, mais c'est quoi ces histoires? C'est moi qui vais passer pour un diable encore. Pour le méchant. Tu vas encore avoir le rôle du méchant. Voilà, poussez-moi. Ramenez-le chez les médecins, monsieur, s'il vous plaît. Le gros, là. Il est trop gros. Vous avez pas de cheval pour l'amener chez le médecin? Non, mais vous en avez un, c'est une bonne chose. Oui. Aïe. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, des sottises. Un coup de sabot? Disons deux, trois coups de sabot, oui, certainement. Quelques gifles dans la tête aussi? Ah, oh, certainement, oui. Non, que des gifles dans la tête. Un petit étranglement? Je m'étonnerais. Vous avez fait appel à un médecin? Non, mais vous pourriez peut-être le faire pour nous, non? Vous entendez, monsieur? Oui, ça va mieux, là. Vous l'avez réparé? Vous pouvez le réparer, s'il vous plaît, monsieur? Réparez-le, là. Écartez-vous du cheval, s'il vous plaît. Vous lui faites pas. Et pourquoi il n'arrive pas à se soigner, Régis, là? Bon, vas-y, on avance. Bon, on va jamais. Ah, bonjour. C'est qui, ça? C'est qui, ce mec, là? Bonjour, c'est Manu, le chaman. Il a trop bien fait, ce bâtard. Il l'a trop bien fait. Manu, enchanté. Mais l'OQN, le petit Manu et Marc Cosmos. D'accord. Vous êtes quoi? Vous êtes un jeune artiste, c'est ça? Moi, je suis un artiste au multiple talent. Je chante en slam. Je suis venu en live parce que je suis un artiste. Je suis comédien animateur. Quand il y avait le Covid. Covid dans le...
Le quoi, quoi, le... Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai encore un illuminé, ça. Ah, ça a l'air saigne, ça bug. Il est crispé. Ça va? Pas très bien. Et toi, est-ce que ça va mieux? Oui, oui, ça va bien, ça va très bien. Et c'est comment ton prénom? Je m'appelle Souleymane, Bokassa. Très content de te connaître. Oui, ben on est content aussi de te connaître, Manu, c'est ça, Manu, hein? Eh ben oui! Ah oui, d'accord. Alerte, alerte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir ma tub? Ah oui, ah, ça va. Et ma bite dans ta bouche, un god. C'est un mec? Bonjour, bonjour, oui. Bonjour. Que puis-je pour vous? Ah ben, c'est vous. Désolé, monsieur. Attends-moi. Attends-moi. Souleymane, attends-moi. Allons-y. Oui, on l'a pris ça, ça s'arrête les gars, on a pris ça. Désolé monsieur. Oh merde. C'est une bague, c'est une bague. Eh non, allez on se casse. Manu derrière, vite, faut que Manu s'occupe du mec. Ah, tourne. Non, pas par là, on va mourir. Qu'est-ce qu'on fait les gars, on se barre? Ils vont nous rejoindre là, il faut qu'on leur dise. Il y a un homme ou une cheval derrière, je sais pas si c'est Madison ou le mec à qui on a volé le charrette. Prépare à sortir ton arme, je peux pas le faire. Qu'est-ce que je fais les gars, je regarde si c'est Madison ou pas. Attention, oh, merde. Attention, il va arriver. Merde, là. deux chevalines. Il vise. Oh merde. Ah fuck. Je vais mourir. Je te sauve. Je vais mourir de toute façon. Non, tu restes avec moi, non. Je commence à saigner. Ah. Merde. Putain, je fais quoi les gars? Oh putain de merde. Ah, j'ai mal. Continue. Allez, il se rapproche les gars. Vas-y, foutu pour foutu, je le fous dans la flotte le truc. Yes. Lâchez votre arme. Ah, aidez-moi. Amène-moi chez les médecins. Amène-moi chez les médecins. Ça va? Mais non, connard, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, m'achève pas! Aide-moi! Mais Manu, putain! Ravage-moi! J'ai plus qu'une seule chose à chanter avant de partir. Mon tato, sa femme me coulit dans mon avant-sati, sa femme coulit tout. Ok. Mais arrête de dire ok, putain de merde. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas compris. S'il te plaît, Manu. Et à mon patron que je l'ai toujours aimé, il m'a aidé. Mon père a souffert. Manu, pourquoi je tombe sur toi pour mes derniers instants? Promets-moi de répandre la bonne parole de l'Afrique. Je suis très demandé en ce moment, et il faut que je sois fidèle et donner le meilleur. Manu, non. Arrête d'embêter. Je vous salue bien, amicalement. Oh le bâtard. Non, Manu, non. Manu.